AG2R La Mondiale vous présente le Forum de la protection sociale et patrimoniale. De plus en plus de communications entre entreprises et clients sont désormais dématérialisées. Pourquoi cet engouement pour les plateformes d'échange d'informations? Comment mettre en place ces flux? Charles-Olivier Diebold et Nathalie Dagoro nous éclairent sur le sujet. En tant qu'expert comptable, j'ai un devoir de conseil vis-à-vis de mes clients. En fait, je dois absolument les informer de ce qui arrive dans les nouvelles lois, de ce qui les concerne exactement. J'ai choisi une solution de plateforme d'échange pour pouvoir collaborer avec mes clients en toute simplicité et puis en respectant les règles professionnelles. Une plateforme d'échange et d'information entre professionnels, alors c'est une plateforme où je peux aussi publier de l'information, mettre à disposition un flux d'informations, je peux faire signer un document par mon utilisateur, je peux programmer des rappels automatiques. L'engouement sur les plateformes d'échange vient de trois points en particulier. Le premier, c'est tout simplement la volonté de se différencier. J'ai besoin d'apporter quelque chose de nouveau à mes clients. Le deuxième, c'est de gagner en productivité. C'est des plateformes qui permettent de gagner du temps. Le troisième, j'ai souvent besoin en fait, de répondre à des obligations réglementaires ou législatives. Une plateforme d'échange, donc professionnel doit répondre en particulier à deux points. Le premier, donc, c'est la sécurité. Le deuxième élément, je dois apporter et de la simplicité et de la praticité à mes utilisateurs. Avec la plateforme d'échange, l'avantage, c'est qu'effectivement, je note une information à un seul endroit et elle va aller automatiquement se déverser auprès de chacun de mes clients concernés. C'est un gain de productivité énorme. Parce que grâce à ce genre d'outils, on peut optimiser certaines tâches. Le choix d'une plateforme d'échange sert effectivement pour se différencier, ça c'est une chose. Ça sert aussi à garder un lien de proximité avec ses clients. Dès la semaine prochaine, nous retrouverons William Naoum et Ilan Aslan qui aborderont la performance de l'entreprise. AG2R La Mondiale vous a présenté le Forum de la protection sociale et patrimoniale.